déjà vu. Non, mais en fait, vous êtes connecté à. Il faut que vous allez dans votre boîte mail, vous regardez Zoom, vous tapez recherche Zoom, et vous regardez. Allez, vous se regardez. Je reçois. Oh, bon. Allô, Yamedek. Ah, Lila, micro, marque ta compte, c'est bon, hein? Eh, qui, grand? Pardon. Pardon. Il faudra mon encouragement. Mon fond, mon encouragement. Parce que mon partage, tout le monde partage. Il faut mon encouragement. Il faut mon encouragement. Parce qu'en fait, tout le monde partage. Il faut mon encouragement. Il faut mon encouragement. Il faut mon partage. Oui. Mais on n'arrive pas à voir ce moment de partage. C'est bizarre, c'est ça qu'ils m'ont dit. Hein. Non, qui est-ce que c'est nouveau? Ah non, mon écran est partagé, t'en poses. T'en poses. Reprends le partage. Mais ils se sont activés, donc, hein. J'ai une idée. Ça. Ça y est, y est. Nous allons aussi participer à des rencontres d'échange avec les gens. Alors, on va arrêter. 25 ans, Harold, le mec est défait. C'est bon. Bonjour. Partagez le son. Thank you.
Au Sénégal, il y a un réel besoin de mise en place d'une bibliothèque exclusivement dédiée aux femmes. Nous savons qu'il y a beaucoup d'auteurs, hommes et femmes, qui ont beaucoup écrit sur leur vie, leurs conditions et dans beaucoup d'autres domaines. Nous avons eu cette idée de mise en place d'un point unique de documentation sur les femmes au Sénégal. Et c'est grâce à l'appui de la Fondation Heinrich Böll que nous avons pu concrétiser notre rêve. Pourquoi on a appuyé la mise en place de cette bibliothèque en ligne sur les questions des femmes, mais aussi sur les questions de genre? C'est parce que la Fondation Heinrich Böll, c'est une fondation féministe. Donc au-delà de son identité écologique, on est une fondation féministe et on travaille sur la question de l'égalité. Et au Sénégal, on sait que la construction des écoles n'est pas accompagnée de mise en place de bibliothèques. L'existence de bibliothèques est assez criarde dans notre pays, au-delà du manque de politique de mémoire. Donc, vu qu'on travaille sur les questions de l'égalité, on a jugé nécessaire, en tout cas, on a trouvé pertinent ce projet de cette bibliothèque. La bibliothèque viendra combler un besoin. Le catalogue est déjà mis en ligne et la bibliothèque physique sera accessible pour bientôt. À travers la mise en place de cette bibliothèque, nous prenons le retour de la lecture comme moyen de compléter les actions de formation. Le livre doit passer du statut de la promotion sociale à celui d'objet culturel. Nous savons tous qu'il y a une symbiose naturelle et immédiate entre école et bibliothèque. Oui, l'espace que l'association des femmes diplômées des universités va mettre en place sera un espace animé, un espace convivial où les enseignants, particulièrement les enseignantes et enseignées, et les militantes pourront s'exprimer, pourront s'informer et se documenter. Avec ce projet de bibliothèque, nous, nos jeunes frères et sœurs, serons accompagnés à la lecture et à la recherche à travers les activités interactives. Nous allons aussi participer à des rencontres d'échanges avec des auteurs et découvrir leurs œuvres. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, moi, je me présente. D'abord, c'est Amina Tafal. Je suis l'assistante administrative et financière de l'AFDU. Bon, je suis là pour vous présenter le catalogue en ligne de la bibliothèque La Lecture Main Lumière. Comme vous l'avez en face de vous,
nous avons le catalogue et pour accéder au catalogue, il nous faut un lien. Donc, via ce lien, on peut accéder au catalogue. Les liens se trouvent sur les terres qu'on vous a donné. Vous pouvez, à partir de ce lien, accéder au catalogue. Donc, une fois sur le catalogue, donc vous avez en haut le logo de l'AFDU, en haut à gauche et à droite, le logo de la fondation, notre partenaire, Enrich Boll. Une fois sur le catalogue, vous avez aussi une partie recherche de documents, comme vous le voyez ici. Sur la partie recherche de documents, si vous voulez, vous pouvez rechercher les ouvrages de votre... L'ouvrage de votre choix, comme par exemple, vous pouvez choisir par thème. Si vous choisissez comme par exemple un thème science, anthropologie, ou bien sociologie, ou bien histoire, tous les thèmes, ça existe. Nous avons des ouvrages de ce thème-là. Comme par exemple, comme vous l'avez ici, on a tapé directement science. Voilà, ça nous montre les différents ouvrages qui ont rapport avec la science, qui parlent sur femmes et sciences et dans d'autres domaines aussi. Si c'est sociologie, ou bien histoire, ou bien dans les autres domaines, vous allez voir la même chose, d'autres ouvrages qui parlent sur ce domaine-là, qui ont rapport avec la femme. Bon, le catalogue est très pratique parce que ça vous permettra de gagner un peu de temps. Parce qu'une fois à la bibliothèque, vous pouvez faire le travail à l'avance, c'est-à-dire faire votre recherche, chercher l'ouvrage de votre choix. Alors qu'une fois à la bibliothèque, vous allez venir directement prendre votre ouvrage sans perdre du temps là-bas, parce que vous avez déjà fait le travail à l'avance, c'est-à-dire que vous avez trouvé l'emplacement, le nom de l'auteur et tout ce que vous voulez. Donc, dans ce cas, vous allez venir directement prendre votre ouvrage et vous allez partir et gagner beaucoup de temps. Voilà, c'est très pratique et c'est très professionnel. Et voilà, c'est le catalogue là. Donc, je vais passer la parole au modérateur. En attendant l'arrivée de la modératrice, elle est en route. Je souhaiterais vous prononcer, vous adresser la bienvenue à cette importante rencontre qui boucle une série d'activités scientifiques autour de l'animation de la bibliothèque dédié à la femme, la bibliothèque AFDU, qui est exclusivement dédiée à la femme. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accueillis par l'Université virtuelle du Sénégal. Et je pense que nous pourrons entrer en matière, si vous le voulez bien, docteur. Donc le mot de bienvenue de la présidente de séance ou du président de séance, peut-être que nous allons le sauter cette étape-là. Alors donc, je m'en vais remettre la parole au docteur Absa Gassama, qui voudrait prononcer un mot au nom du coordonnateur de l'UVS. Docteur, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour cette étape très importante pour notre université. Comme vous savez, dans chaque université, il est la bibliothèque est un endroit important pour les étudiants pour s'y retrouver. Et il y a quelque temps, j'ai eu l'honneur de rencontrer Madame la Présidente
de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités du Sénégal. Madame Mariam Diop, ici à mes côtés, et avec la vice-présidente de cette association. On a eu à déjeuner à un congrès sur les femmes et on a appris comme ça à table qu'il y avait une bibliothèque qu'on souhaitait loger quelque part, et donc voilà. Donc on a discuté, elles sont venues nous voir à l'UVS au siège City Cœur Gorgui. Donc on est en train de travailler sur un draft, une convention pour pouvoir accueillir la bibliothèque à l'Université virtuelle du Sénégal. Et donc c'est dans le cadre de l'animation de cette bibliothèque que nous tenons cette première activité, parce que comme vous savez, une bibliothèque, il y a les livres, il faut leur donner vie. Il y a toujours des activités, moi je me souviens toujours, me voyant encore à l'Institut français ou ailleurs, m'asseyant par terre, tirant mes livres, ou bien essayant de faire comme mes sœurs, tirant des livres que j'étais pas sûre de bien comprendre, comme le fameux Kamar Alaï, l'enfant noir à 6 ans. Mais quand même, notre mémoire est phénoménale. Excusez-moi. Notre mémoire est phénoménale à cet âge-là. Hein, donc, quand je l'ai relu plus tard, je me rendais compte que je me souvenais parfaitement de ce livre et que j'avais compris. Et donc, on a tous nos premiers moments de livres et les moments qu'on a eu à passer en tant qu'étudiant dans les bibliothèques. C'est vrai qu'ici, on est une université numérique, mais que cela ne nous empêche pas de nous retrouver aussi dans un environnement de livres physiques. Et comme dans toutes les bibliothèques maintenant, les livres physiques sont accompagnés de ce que notre collègue vient de vous présenter tout à l'heure, un catalogue en ligne, c'est-à-dire avant de venir à la bibliothèque déjà, vous pouvez regarder est-ce que votre livre est réellement là, avant de vous déplacer, venir le retrouver. Sinon, beaucoup d'étudiants aiment bien venir, passer du temps dans la bibliothèque. On peut même lire au-delà du livre qu'on avait prévu, on retrouve d'autres livres qu'on a envie de regarder, de côtoyer, comme on dit. Avant qu'on commence la conférence, j'aimerais quand même transmettre les salutations du coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, professeur Moussa Lo, qui est très content qu'on discute de l'accueil d'une bibliothèque, mais qui était pris aujourd'hui, et de son directeur des études, Abdoul Al-Fadia, qui est aussi pris, comme vous voyez à l'UVS, les gens ont toujours une activité, ils tenaient vraiment à être là, mais on lui a demandé d'aller sur autre chose. Donc on nous laisse entre femmes, hein. Comme vous savez, dans l'éducation, il y a beaucoup de femmes, hein, à tous les niveaux, en tant qu'enseignant, dans les bibliothèques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça me permet de renouer avec mes premiers amours, parce que comme premier métier, c'est celui que j'avais choisi, bibliothécaire, parce que je savais que j'adorais les livres. Et pour moi, c'était dans la continuité. Et il a fallu qu'à un moment, qu'on nous appelle, que des enseignants nous appellent dans leur bureau, et j'en faisais partie, pour nous dire qu'il y aura beaucoup de départs à la retraite parmi les enseignants-chercheurs et qu'on avait besoin d'une relève. Et c'est dans ce cadre, en fait, qu'on m'a demandé de poursuivre. Et je n'ai pas regretté parce que, enseignants-chercheurs, on continue à côtoyer les livres beaucoup. Peut-être qu'au Sénégal, on n'a pas encore beaucoup de bibliothèques, mais nous, en fait, en France, où j'ai commencé à enseigner, on était beaucoup
dans les bibliothèques, littéralement. Pour nous trouver dans notre bureau, il fallait vraiment nous donner rendez-vous. Et donc, on se retrouvait dans nos bureaux. En fait, on se retrouvait enfermé littéralement dans nos bibliothèques. On se retrouvait à la bibliothèque où, on passait toute la journée. Donc, c'est entre la bibliothèque et le métier d'enseignant-chercheur, il n'y a qu'un pas, on va dire. Donc, je suis contente, finalement, d'avoir quand même choisi aussi ce métier-là. Je vais repasser, après avoir transmis les salutations du coordonnateur, du directeur des études Abdoul Al-Fadia, de l'administrateur de l'ENO de Dakar, M. Ndour, et de l'ensemble de son équipe qui nous accueille. Je vais repasser la parole à la présidente de l'ASFU, l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, pour nous dire un mot avant le démarrage de la conférence. Merci, Madame Docteur Apsa Gassama, représentante de Monsieur le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Madame la représentante de Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la communication, elle est en ligne. Madame la coordinatrice de la cellule genre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, représentante de Monsieur le ministre, chers membres du bureau de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, Madame la vice-présidente, Madame la secrétaire générale, Madame la chargée de l'organisation, Mesdames, Messieurs, chers invités, chères étudiantes, chers étudiants, par ma voix, l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités remercie l'Université virtuelle du Sénégal d'avoir bien voulu la recevoir au sein de son espace numérique ouvert. L'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités est une association apolitique et non confessionnelle. Elle est créée depuis 1989. Elle s'investit sur l'éducation et la formation des filles et des femmes. Elle déroule son plan d'action un peu partout au niveau du territoire national par des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de renforcement de capacités. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui est la sixième d'une série dont l'objectif est d'animer la bibliothèque dédiée aux femmes. En effet, cette bibliothèque, financée par la Fondation Heinrich Böll, renferme de la documentation dans des domaines très variés sur les femmes. Le déroulement de ces activités nous a permis d'échanger avec des jeunes, beaucoup de jeunes, notamment des lycéennes et des lycéens, sur la valeur ajoutée de la lecture dans la qualité de l'éducation et le leadership des jeunes, entre autres. Le catalogue est déjà en ligne et le lien sera partagé avec vous. C'est déjà fait. Le lien est partagé avec vous et vous pourrez fréquenter les liens comme vous le voulez. Et la bibliothèque qui, après la signature de la convention, sera logée ici chez vous. Sa fréquentation sera gratuite. Nous sommes d'emblée sûrs que cette conférence d'aujourd'hui sera très instructive et contribuera hautement à l'atteinte des objectifs du projet qui s'appelle la lecture ma lumière. Je vous remercie de votre aimable attention. Sans plus tarder, je vais remettre la parole au docteur Apsa Gassama, qui est la conférencière, en attendant que le docteur Nafissatou Diouf nous rejoigne en sa qualité d'animation, de modératrice de la séance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diop. Je voudrais juste demander à tous ceux qui sont connectés sur place de diminuer le son, de mettre leur son à zéro pour éviter que... Comment vous entendez, ça va ?
Vous n'entendez pas? Hein? D'accord, ok. Donc, si vous pouvez dire aux gens de couper leur son, peut-être. Hein? Là, s'il vous plaît. On coupe ce micro. On le coupe. Je parle juste là. D'accord. C'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Encore merci à l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités de m'avoir choisi en tant que conférencière et à travers cela l'Université virtuelle du Sénégal où actuellement se déroule la conférence. Donc vraiment merci, c'est un grand honneur pour nous à l'Université virtuelle du Sénégal d'animer une de vos conférences sur en fait la lecture et pour cette grande association qui est très connue et reconnue. Nous suivons toutes vos activités littéralement soit en présence surtout à distance. Mais c'est tout aussi agréable d'y être en présentiel. Hein? Donc, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente de cette association, de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, merci. Et merci pour, vraiment merci pour ce que vous essayez de mettre en place, d'apporter la lecture dans les institutions d'enseignement, d'apporter la lecture dans les institutions d'enseignement et notamment dans les en fait des universités, notamment Nafi, notamment dans en fait les universités et surtout chez nous à l'Université virtuelle du Sénégal où on envisage de mettre le siège de votre bibliothèque parce que, vous savez, on est une université numérique, on a des bibliothèques numériques, mais quand même, on a créé les espaces numériques ouverts pour permettre aux étudiants de vivre la même sociabilité que les autres étudiants des autres universités physiques. Donc vraiment, c'est le lieu où on peut recevoir une bibliothèque et leur permettre de retrouver des livres physiques et d'y créer des liens comme les autres étudiants des autres universités. Sans plus tarder, je vais commencer cette conférence sur la lecture, ma lumière, pour la promotion de la culture du numérique et le développement du leadership féminin. Donc, je me présente rapidement. Je suis docteur Apsa Gassama, enseignante-chercheur en sociologie, ici à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous pouvez partager la vidéo ici. D'accord. Comme vous pouvez le voir sur en fait l'écran, on est avec des étudiants qui ont l'habitude d'être dans le numérique. Tout à l'heure, ils sont arrivés, ils se mettaient tous derrière. Je les ai taquinés en demandant est-ce qu'ils avaient peur d'être en présentiel. Hein? Donc, comme vous voyez, il y a une petite image pour
pour vous taquiner pour commencer cette conférence avec un jeune garçon qui dit « Waouh, c'est comme un SMS, mais avec toutes les lettres. » Comment ça s'appelle? Ah, donc on ne le voit pas encore. Non, il ne s'est pas projeté derrière. Est-ce que j'arrête et je recommence ou pas? Non, ça c'est ou bien ça? Non, non, ça. C'est ça que vous voulez me montrer, non? Non, c'est pas ça, c'est la communication. Mais la communication, on ne la voit pas? Ça, c'est mon fond d'écran qui est vu. Il fallait cliquer sur la communication. Je vais cliquer au lieu de la communication. Elle est là. Je vais cliquer sur la communication. Voilà. Et maintenant, je vais défiler. Voilà, c'est bon. Non, c'est toujours le fond d'écran qui vient. Attendez deux secondes. Je pense que je vais continuer à défiler en attendant qu'il règle le problème technique. C'est pour partager un document. Ça, c'est quel document? Ça, c'est ma conférence. Ok. En fait, vous avez partagé ça? Oui, mais ça ne me fait pas. On va montrer ça. Parce que vous lui avez demandé de cliquer sur ça. Elle avait cliqué sur ça. Mais ça ne se voit pas derrière, en fait. C'est partagé que sur Zoom, c'est pas partagé ici. En fait, c'est que je dois partager deux fois ici et sur Zoom en même temps. C'est ça votre document, non? Oui, c'est mon document. Je vous propose de continuer votre conférence en attendant que le problème de Kevin. Non, mais je parle aussi, bon, c'est pas grave. Excusez-nous pour ces à distance et ceux que vous voyez, ceux qui sont en présentiel, n'arrivent pas à le voir. Donc, on voulait faire le partage sur le lien Zoom et aussi en présentiel. Et c'est... Voilà, c'est parfait. Voilà, donc excusez-nous, donc on va un peu reprendre. Donc pour commencer ma conférence, j'ai commencé par taquiner nos chers étudiants, nos chers étudiants des universités numériques. Au début, ils ne réclamaient tellement de présentiel que quand on avait une activité, il fallait limiter le nombre d'étudiants. Maintenant, il faut aller les chercher littéralement pour les faire venir en présentiel. Depuis la pandémie,
ils commencent à aimer de plus en plus le 100% à distance. Et donc voilà, pour ceux qui sont nés et dans leur berceau, il y avait un téléphone portable, un ordinateur, une tablette. Voilà, donc un petit jeune comme ça qui demande à son papa, qui voit un livre et qui dit waouh, c'est comme un SMS, mais avec toutes les mais avec toutes les lettres. Comment ça s'appelle? Et le papa qui lui dit livre, mon petit, cela s'appelle livre. Donc j'espère que vous, je vous taquine, mais que vous n'en êtes pas là et que vous savez quand même ce que c'est qu'un livre, un vrai livre physique. Non, mais c'est vrai, Dafi, on rigole, mais c'est des choses réelles. Moi, avant que je passe au smartphone, ma nièce faisait avec mon téléphone ancien ça. Et idem, quand ma sœur a eu peur, elle a pris un livre, au lieu de tourner, elle a commencé à faire un geste comme ça. Comme si, au lieu de prendre la page et de tourner réellement, donc, les choses ont changé tellement rapidement que, voilà. C'est vrai que le numérique rend accessible le savoir, mais c'est toujours très intéressant de côtoyer le livre physique. Voilà. J'aimerais bien... Voilà. Je voulais cacher ça parce que... Ça me cache une pas ça. Ah oui, d'accord. Non, tu fais un... D'accord. Ah oui, d'accord. Pouvez-vous enlever cette ligne? Ça me cache des choses. Elle veut le mettre en mode plein écran, quoi. Non, en fait, là, elle veut cacher ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est déjà en mode plein écran, mais... Qu'est-ce que vous cherchez? Le plein écran, je peux le faire. Il suffit juste de faire ça. Mais maintenant, ce qui me gêne, c'est là-bas. Mais ça me cache des trucs. Bon, écoute, alors je ne vais pas le mettre en mode plein écran. Alors, on va dire ça. Là, c'est parfait. Merci. Excusez-nous encore. Hein. Donc, voilà, après vous avoir taquiné les étudiants du en fait digital par rapport au livre physique. Donc, on en arrive aussi à vous présenter l'importance de la lecture, comme on appelle cette conférence, la lecture ma lumière. Hein, comme je disais tout à l'heure dans les salutations, comment est-ce qu'on est tombé dedans, hein? Donc, je vais ponctuer tout ce que je dis de beaucoup de citations. Comme Voltaire qui nous dit que la lecture agrandit l'âme et un ami éclairé la console. Cet ami, ça peut être l'enseignant, ça peut être des camarades. Je me souviens encore quand des camarades étudiants nous disent oh, « J'ai lu ce livre, mais ça, il faut absolument le lire !» Et tout ça, on était là, et parfois avec deux sous, comme quand on est étudiant, on a gardé ce proverbe chinois qui dit que quand on a deux sous, il faut prendre un sou pour se nourrir physiquement et l'autre sou pour se nourrir intellectuellement. Donc, on a respecté ça, aller acheter des livres, aller fréquenter les bibliothèques et tout ça. Le livre et la bibliothèque peuvent à eux seuls représenter l'université.
Et je fais un jeu de mots avec l'université. Parce que c'est tout ça, l'université. Quand j'apprends, quand je donne un cours avec des étudiants, si je n'entends pas de questions, pas de participation, j'arrête et je les bouscule un peu pour réveiller leur sens critique, avoir des questions, ou parfois je fais lire un auteur ancien. Et là, c'est là, comme Malinowski en sociologie, qui écrit Peuplade, et les étudiants ne réagissent pas. Je fais, oh non, mais attendez, ça ne vous dérange pas de voir écrire Peuplade, hein? Et je leur explique que, voilà, que ce sont des gens qui ont écrit des choses intéressantes, mais à leur époque, ils disaient des choses que vous ne devez pas accepter que l'on vous dise aujourd'hui. Il existe des peuples, mais il n'y a pas de sous-peuple qu'on appelle par Peuplade, tout simplement. Hein? Donc voilà, donc pour et un ami éclairé, l'ami éclairé, comme je vous dis, ça peut être l'ami, votre camarade, ça peut être votre tuteur, comme on dit à l'UVS, ou bien cela peut être votre enseignant qui vous guide dans le savoir et vous aide à agrandir votre âme à partir de la lecture. On arrive à l'université à la force de l'âge, avec beaucoup de rêves, d'espoir, de la fougue et avec les meilleures armes que sont les livres. Jacques London nous disait ainsi, « Sur les rayons des bibliothèques, je vis un monde surgir de l'horizon. Le temps des études à l'université est aussi un moment où on découvre, où on se découvre à travers la force des liens amicaux. Ettar Benjeloun nous disait, une bibliothèque est une chambre d'amis. Pierre Pevel renchérit avec ces mots en nous disant, les bibliothèques sont des rêves de ceux qui les ont voulu et bâti. Rêve de ceux qui les fréquentent et les aiment. Rêve enchâssé en des milliers et des milliers de pages préservées qui aident les jeunes filles et les jeunes garçons à se construire. Vivre et devenir leader grâce à l'alchimie du livre et du numérique. La connaissance livresque rendue plus accessible par le numérique remet nos jeunes au centre du dispositif pour en faire des leaders. Comme vous voyez avec cette image, donc lire, c'est vivre. On y trouve du plaisir. C'est quand on lit, c'est parce qu'on est curieux, on développe sa curiosité. Et chaque livre lu développe notre curiosité, notre imagination. Même quand on lit des livres liés à la recherche, c'est en lisant qu'on développe notre imaginaire par rapport à la recherche. C'est aussi la liberté qui vous permet de penser l'avenir que vous souhaitez avoir et même parfois d'accompagner les révoltes. Hein? Les savoirs, ce n'est pas pour rien que quand on est étudiant, on s'initie aussi à toutes ces choses-là. Je ne veux pas les dire ici parce que voilà, tout ce qui est grève, vous le savez très bien. L'accès au savoir, tout simplement. Pas besoin de se... pour devenir leader, de se perdre dans des barques de fortune. Hein? Nous souhaitons seulement apprendre à nos jeunes que lire, c'est aussi un long voyage immobile. Vous ouvrez un livre, vous voyagez. La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté, hein, d'après Mauriac. Devenez juste un alchimiste en transformant les livres en or de la connaissance. Comme vous le savez, l'alchimiste a besoin de l'air, de la terre, du feu,
et de l'eau pour transformer son produit de base en or. L'air, un livre, un bon livre oxygène l'esprit, nous dit Dany Laferrière. La terre, chacune de nos lectures laisse une graine qui germe, nous dirait Jules Renard, qui germe de la terre et bénie par l'eau. L'eau, la lecture, est aussi l'eau qui bénit l'esprit. Le feu, la passion, les livres restent en définitive. Avec le feu, la seule façon de combattre les ténèbres, nous dirait Mathias Hénard. La lecture et le leadership féminin. Tout être vivant a le devoir et le droit de développer ses pleines capacités, surtout dans un pays en développement. On y a encore moins le droit de laisser en berne les capacités de la moitié de la population. Alors, la question est, comment jouer pleinement son rôle à l'intérieur comme à l'extérieur des maisons sans devoir forcément choisir? Comme vous savez, les femmes souvent sont reléguées à ce qui concerne l'intérieur des foyers. Hein, et souvent ont du mal à prendre leur place à l'extérieur des foyers. Une éducation de base, alors basée sur la lecture et la culture générale à laquelle nous donne accès le livre, favorise le leadership des femmes. Car lire, c'est vivre en pleine lumière, nous disait Michel Saint-Denis. Avec cette image, pour illustrer ce que je venais de dire, quand on relègue bien souvent les femmes au ménage, hein, voilà cette boutade, le ménage ne va pas se faire tout seul. Et mon livre, alors, vous croyez qu'il va se lire tout seul? Les femmes doivent aussi prendre le temps de lire et de s'occuper de leur propre éducation et culture générale. L'importance du leadership et du développement personnel dans votre formation universitaire et pour votre avenir. Quand on est à l'université, on n'est pas seulement en train de recevoir des enseignements de façon neutre, on est aussi en train de co-construire notre avenir, surtout vous en tant qu'étudiant. En vous investissant dans vos communautés, vous devenez un acteur principal du dispositif. On travaille avec vous. Il devient donc important d'acquérir de l'autonomie et de réfléchir à votre insertion socio-professionnelle et au rôle que vous pouvez jouer dans votre environnement pour participer au développement de votre pays. Le leadership, c'est aussi des savoir-faire pratiques, théoriques et comportementaux. C'est savoir écouter, être écouté et apprendre. Pour améliorer votre manière de communiquer, c'est une base qui est aussi une base dans l'éducation africaine et universelle. Il faut aussi savoir se faire écouter. Et pour être bien écouté, il faut savoir bien communiquer. Et cela commence par votre propre écoute. Voltaire nous disait qu'on s'accoutume à bien parler en lisant souvent ceux qui ont bien écrit. En plus, l'écoute est la clé du succès de tout apprenti, aussi bien dans les daras que dans les grandes écoles et les universités. Dans les grandes écoles, tout le monde le sait, au Dara, on est au Sénégal, je ne vais pas m'attarder, mais on sait que jusqu'à un certain âge, on apprend, hein, on apprend beaucoup, et c'est après qu'on apprend à lire, à interpréter ou autre. Dans les grandes écoles, c'est pareil. Moi, j'ai eu ma thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, et là-bas,
à l'école des hautes études en sciences sociales, sans que personne ne nous le dise, c'était la culture. Quand on arrive au début de l'année, on pose même peu de questions. Jusqu'au milieu d'année, et le but, c'était même pas de poser le maximum de questions, mais de poser la question la plus pertinente. Et c'est ce qui faisait que, en fait, on nous incitait même à nous taire et à écouter. Donc, il y avait cette culture-là. Donc, l'écoute, elle est vraiment très importante. Se tenir informé aussi, pour être là, et cette information est d'autant plus accessible qu'on est dans le monde du numérique aujourd'hui. Le leadership, c'est aussi l'autonomie. Soyez autonome. Un livre est un outil de liberté. L'autonomie est un savoir-être et un savoir-faire. En réfléchissant à ce que vous êtes, à ce que vous souhaitez devenir, et comment vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice du développement grâce au livre. Encore une fois, le livre est vraiment un instrument de liberté, comme disait Jean Guénaud. Le leadership féminin. Les jeunes sont l'avenir de la nation. Vous êtes toutes et tous sortis de chez vous pour trouver autre chose que ce que vous connaissez déjà. Étudier, c'est se dépayser. Comme lire, je vous disais tout à l'heure, c'est voyager. À l'université, il faut donc oser prendre des rôles différents de ceux que vous avez l'habitude de prendre à la maison, hein, en vous laissant inspirer par les livres qui nous permettent d'accomplir de délicieux voyages embarqués sur un mot, comme dirait Honoré de Balzac. À l'université, on acquiert de l'autonomie et notre rôle est de vous y accompagner et non de reproduire les formes d'inégalité que vous rencontrez déjà. Les filles, aussi bien que les garçons, peuvent présider à des associations. Le leadership féminin. Les filles réussissent aussi bien sur le plan académique, mais restent en retrait dans l'organisation des associations et nous souhaitons leur épanouissement dans les deux domaines. Nous avons la même considération pour les filles et les garçons. On pratique l'égalité à tous les niveaux, au niveau des revenus, du genre, du handicap. Quand vous organisez des journées, nous voulons voir autant de filles et de garçons sur les podiums. Que les filles ne soient pas reléguées aux cuisines pour laisser les podiums aux garçons. Dans les fêtes sénégalaises, d'ailleurs, maintenant, de plus en plus, ce sont des hommes qui s'occupent des cuisines. Aux filles, nous sommes bien placés avec l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités pour vous dire que si vous souhaitez avoir d'aussi belles places que vos camarades garçons, cela commence maintenant, avec les rôles que vous prendrez dans les différents clubs et associations. Vous avez exactement les mêmes droits que vos camarades. Il faut les exercer. Et si vous rencontrez des difficultés, nous serons là pour vous écouter. Sachez négocier votre autonomie et votre place dans l'espace universitaire et dans la société en vous soutenant entre filles. Ça, j'insiste toujours dessus, parce que aussi la faiblesse, ce n'est pas une relation seulement entre les garçons et filles. Hein, les rapports sociaux de sexe, c'est aussi entre filles, hein, que peut-être nous sommes dans une société où on connaît encore la domination masculine. Et donc, peut-être, c'est plus facile pour les filles d'être l'allié des garçons. Et donc, du coup, il y a moins de solidarité entre les filles. Et ça, j'insiste, les filles, sur ça, ça fait partie de votre leadership, de pouvoir travailler avec d'autres femmes comme vous,
hein, de ne pas être dans cet imaginaire qu'on dit les filles se crèvent le chignon et tout ça. C'est vrai, c'est moins facile pour les filles parce que les filles ont reçu une éducation différente des garçons. Les garçons, très tôt, ont appris à aller jouer dehors, à des jeux brusques comme le football, hein, où même le garçon va provoquer parfois la chute d'un camarade, mais tout de suite va le soulever, le tapoter, il recommence, il part. Hein. Ils savent bien développer ce qu'on appelle la compétition, coopérer et compétir en même temps. D'accord ? Ils savent jouer à des jeux collectifs, ce qui manque beaucoup aux filles, et donc ce qui rend un peu plus faible leur leadership. Cela commence aussi à la maison, votre leadership. Vous réservez du temps, à vos études, hein, et ne pas vous laisser submerger par les travaux domestiques. J'ai rien contre les travaux domestiques. Ça fait même partie de l'éducation. Je préfère encore qu'une fille s'occupe en partie à ça plutôt que d'être tout le temps sur son ordinateur, sur son téléphone portable, sur WhatsApp ou dans certains réseaux sociaux. C'est une éducation. Moi-même, quand je gardais des enfants, garçons ou filles, je les initiais toujours à la cuisine. Les crêpes, les gâteaux et parfois aller dans des mets un peu plus complexes. Hein? Donc, ça fait partie de l'éducation que l'on doit recevoir. Hein? Mais il ne faut pas qu'on submerge les filles de travaux domestiques de sorte qu'elles ne puissent pas faire grand-chose. Combien de fois, ici à l'université, j'ai des excuses présentées par des filles en me disant qu'elles ont des choses à faire parce que à cause de tâches domestiques qui les interpellent et qui les éloignent de leurs travaux. Aussi, après nos premiers licenciés qui ont fait des concours et qui ont réussi brillamment, nos premiers lauréats qui ont réussi à des concours, c'était surtout des garçons. Actuellement, on a eu quelques filles, mais on en a toujours moins que les garçons. Alors que je viens de vous dire que les filles on réussit aussi bien sur le plan académique. Alors, un concours, c'est pas simplement avoir une bonne note, c'est être parmi les meilleurs. Nos étudiants ont été lauréats de différents concours nationaux ici au Sénégal en compétition avec des étudiants d'autres universités. Mais souvent, ce sont des garçons. Peut-être parce qu'elles ne consacrent pas suffisamment de temps aux études. Et pour être parmi les meilleurs, il faut non seulement étudier ses cours, mais aller au-delà, les livres et tout le reste. Aux garçons, je demande aussi de savoir développer la masculinité positive, en veillant au respect de toutes les femmes, et pas seulement votre mère, votre sœur et votre fille. Ben, c'est la réplique qui revient souvent. Chaque fois quand je parle de ça, il y en a qui disent « Ouais, mais nous, on n'a rien contre les femmes. On a des sœurs, on les aime beaucoup. On a nos mères, on les aime beaucoup. On a nos filles, on les aime beaucoup. » Voilà, exactement. Ma collègue Nafi me dit que c'est le paternalisme. On le sait. Hein? Moi aussi, j'adore mon père, j'adore mon frère. Mais voilà, quand on est dans un autre espace et que on voit ce qu'on y voit, on doit faire notre compétition et prendre notre place, hein, et éveiller les jeunes, parce que nous-mêmes, à nos places, étant bien plus armés, on sait que c'est pas facile, c'est pas totalement gagné, donc, et c'est pire encore chez vous. Cette année, on a la chance d'avoir deux étudiantes qui sont présidentes de BNO. Ici même, dans cette salle, j'avais fait une conférence sur le leadership féminin et une des étudiantes qui est actuellement présidente de BNO à l'ENO de Saint-Louis est venue me voir en me disant « je vais me présenter ». Et elle me l'a redit plus tard en me disant « c'est après la conférence qu'elle s'est dit qu'elle pouvait se présenter ». Elle a gagné, elle est même présidente de la FENEUV qui est la fédération
de national des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Hein? Donc c'est possible. Et une des étudiantes qui se présentait dans une autre ville a, même si elle a été accompagnée gentiment par ses collègues, mais pour vous dire qu'on a du travail à faire avec nos jeunes, il y a ses camarades garçons qui sont rapprochés d'elle pour lui dire, mais t'es folle, pourquoi tu te présentes mais ce sont les garçons qui doivent diriger. En 2021, hein, dans une université innovante de pointe, de jeunes garçons qui disent ça à leurs camarades filles. Hein. Ensuite, elle remarque qu'elle n'avait pas de personne pour compétir avec elle. Elle leur pose la question, elle dit, ouais, ben, on ne va pas compétir avec une fille. Hein. Ben, écoutez, tant mieux, elle a gagné. Hein, elle est devenue présidente de BENO, le bureau des espaces numériques ouverts pour les étudiants. Plus tard, quand elle a été élue présidente, elle est voilée, hein, donc elle est habillée décemment. Les étudiants reviennent le voir, on dit, mais maintenant, il faut vraiment que tu t'habilles décemment, c'est-à-dire qu'elle arrête les jeans parce qu'elle est voilée, mais elle met des jeans et autres. Hein. Donc, pour vous montrer, donc, ces jeunes garçons confondent peut-être la prière avec diriger tout le temps le reste. Donc, on a vraiment quelque chose à partager et avec les jeunes filles et avec les jeunes garçons pour se développer. Parce que la masculinité positive, si vous la développez maintenant, ça va vous aider à être de vrais leaders. Hein? Comme je disais au début, à l'entame de mon propos, on ne peut pas être dans un pays en développement et dire qu'on va collaborer qu'avec la moitié de la population. Hein? Parce que l'autre moitié est constituée de filles et de femmes. Hein? Donc, vous n'allez pas dire, par exemple, si une femme est très brillante, que vous allez la laisser de côté et prendre un homme. Quoique, on se doute parfois que ça fonctionne comme ça. Ils sont peut-être plus à l'aise, comme je dirais parfois pour les taquiner. Les hommes, ils vont même ensemble au pissoir, excusez-moi, ils sont à l'aise. Ils peuvent rester, discuter de foot ou autre. Hein, peut-être ils sont parfois moins à l'aise avec une femme dans l'équipe. Hein, et sans se rendre compte, moi je ne dirais même pas qu'ils font ces choix parfois consciemment, mais inconsciemment, c'est la configuration est là. Et nous devons aller nous battre contre ça et dire, regardez, mais écoutez, pourquoi tous les responsables pédagogiques sont des hommes? Il y a des femmes très brillantes qui pourraient l'être. Des questions comme ça. Cela peut paraître impertinent parfois, mais c'est de notre rôle, comme c'est le rôle des syndicats, de bousculer un peu et de poser des questions comme ça pour faire réfléchir à ceux qui ne se sont pas rendus compte que les choses se passent comme ça. Hein, donc, si vous savez déjà dès à présent collaborer correctement avec vos collègues filles, hein, sachant tenir compte des préoccupations de tous les membres de votre environnement, hein, en incluant tous les potentiels, c'est-à-dire en tenant compte du dividende de genre. Je vous disais tout à l'heure qu'on a reçu une éducation différente. Donc, du coup, forcément, on va apporter quelque chose de différent. Hein? Quand on organise ici avec Nafi, on pense, est-ce que les toilettes sont propres? Est-ce que les locaux, on invite des gens? Moi, je mets presque ma main au feu que les hommes, ils ne vont pas penser ça. Hein? Quelque part, avec l'éducation de base, c'est pour ça que je dis, je suis peut-être que quand on est féministe, quand on fait certaines choses, on est dans la déconstruction, la critique, mais cela ne veut pas dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Il y a des valeurs que l'on garde. Hein? Donc, il y a des choses qu'on nous apprend sans que ça continue à plaider pour que ça nous accapare encore, mais qui nous aident à développer d'autres formes de leadership. Hein? Donc, voilà ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Si vous collaborez dès à présent avec vous les garçons, avec vos collègues filles, hein, et puis on est à une époque où votre argent seulement à vous, garçons, ne suffit pas. Vous allez dire fièrement, oui, j'apporte la dépense, mais vous apportez ce que vous pouvez.
Si vous avez chaque jour des repas, ce n'est pas sûr que c'est ce que vous avez donné. C'est symbolique, même à la limite. Hein? Donc, c'est là, juste en passant une petite blague de Coluche. Vous savez, ils écrivent, tous les humoristes écrivent des livres et on les cite pour tout autant. Hein? Et on les cite tout autant. Il y a les Coluche qui disait, je blasphème un peu, excusez-moi, quand Dieu chasse l'être humain de la terre, quand en fait Ève donne la pomme à Adam, une petite blague d'avant-goût qui dit, certainement on pense, nous autres les féministes, que c'était Adam qui était là à dire j'ai faim, Ève en a eu assez, après la pomme il a dit mange. Toujours est-il qu'ils ont été punis et Dieu leur a dit, vous allez descendre sur terre. Vous, l'homme, vous allez manger à la sueur de votre front. Et vous, la femme, vous allez enfanter dans la douleur. Et Coluche, qui dit, pauvre femme, non seulement maintenant elle enfante dans la douleur, mais maintenant elle mange aussi à la sueur de son front. Donc on en est là. Même nous, à notre génération, on partage. D'ailleurs, il y a des visionnaires, là, juste si vous me permettez, je cite mon arrière-grand-père qui a donné une maison à ses filles en disant qu'on ne sait jamais parce qu'on passe à l'époque de cotisation. Il faut que j'assure mes filles d'une maison. Donc, voilà. Donc, peut-être pour certains qui se demandent pourquoi je suis féministe, peut-être que je l'ai hérité. Donc, cela va vous aider, vous les garçons, la masculinité positive, à vous entendre mieux avec vos épouses demain dans vos foyers. Hein. Même là, par exemple, si vous les encouragez, moi, les plus grandes féministes que j'ai à fréquenter, Fatou Sow, Marie-Angélique Savané, que je connais moins, mais qui en témoigne, et son entourage en témoigne, leurs plus grands alliés, et même toutes ces femmes recteurs que j'ai eu à interviewer pendant le mois de mars, mais leurs plus grands alliés, ces femmes leaders, ce sont leurs maris. Et ils ne le regrettent pas. Imaginez à l'époque, à la Covid-19, du jour au lendemain, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu des emplois. Si vous aviez stoppé la carrière de votre femme, qui se retrouve avec moi, vous vous êtes fait du mal à vous-même. Hein? Donc voilà pourquoi on demande la masculinité positive. Hein? Encore une fois, à l'université, rien n'est réservé aux garçons. Tout est partagé entre les garçons et les filles. Hein? Donc vous les garçons encore, sachez partager avec vos camarades filles. Y réussir est un garant de la réussite dans vos foyers et vos entreprises demain. Les garçons et les filles doivent apprendre à bien vivre ensemble dans une relation où chacun et chacune peut s'épanouir. Pour dépasser, il y a pas mal de difficultés dans le leadership féminin. Pour pouvoir y être dans le leadership féminin, il y a beaucoup d'amalgames. Hein? Donc, je vais vous projeter quelques photos pour vous montrer que ce n'est pas toujours facile d'exercer son leadership quand on est une femme. Une femme éduquée, et que c'est valable pour un homme aussi, hein? Une personne éduquée a toujours l'air aérien, comme ça. Quand on a passé beaucoup de temps dans les bibliothèques qui nous font rêver, les livres et tout ça, on a un regard et souvent les femmes sont comme ça, on pense qu'elles sont gonflées, alors que c'est juste que ce sont des femmes éduquées. Les femmes intelligentes aussi, parce que vous savez, l'adage qui dit « sois belle et tais-toi », les femmes qui parlent, qui disent ce qu'elles pensent, elles sont rebelles, alors qu'un homme le ferait à côté, c'est normal. Donc, quand elles sont déterminées aussi qu'elles cherchent quelque chose, surtout quand on est dans l'enseignement supérieur, tout le monde sait, hein, moi, celui qui m'a suivi en recherche postdoctorale,
Luc Boltonski qui disait comme ça, un chercheur a quelque chose qui ressemble un peu au fou, parce que nous, on se réveille un jour, on dit, on pose des hypothèses et des questions de recherche et on essaie de les vérifier. On peut y croire pendant des dizaines d'années. Tout le monde connaît la fameuse phrase « Eureka » dans sa salle de bain. Enfin, on trouve où sous le pommier un arbre tombe, on s'est dit « Ah, voilà !» C'était des années, on nous a appris quand on fait de la recherche, voilà, on est, c'est quand on est chercheur, c'est quand ça nous suit partout. Donc, cette détermination-là, pour arriver à quelque chose, en général, au-delà de l'enseignant-chercheur, même l'entrepreneur, dans n'importe quel métier, quand on veut bien y réussir, il faut être déterminé. Et quand une femme l'est, souvent, on pense qu'elle est bornée. Une femme ambitieuse aussi, on pense souvent qu'elle est prétentieuse. Hein, on ne dit pas que l'ambition, ce n'est pas de la prétention. Ben, c'est vrai que si on veut peut-être, je ne sais pas moi, mais quoique beaucoup de choses peuvent s'apprendre au fil du temps. Hein, donc voilà, on ne peut pas parfois quitter certaines choses et dire on veut faire dans tel domaine. Là, ce serait de la prétention. Souvent, les femmes fortes, on pense qu'elles sont agressives aussi. Hein? Alors qu'un homme, même, on le voit, hein, les hommes, quand elles se parlent, elles se tapotent comme ça, mais durement, pour montrer en même temps leurs muscles s'imposer. Mais même une femme, quand elle s'impose par la parole, on pense que c'est de l'agressivité. Souvent, quand elle sourit, du coup, beaucoup, ça se discute dans le féminisme. Est-ce que les femmes doivent continuer à sourire ou bien tirer la tronche pour paraître sévère ou autre? Quand on n'est pas de nature à tirer la tronche, donc cela peut être compliqué. Hein? Et quand on sourit, c'est pas forcément quand on est qu'on est une fille légère ou autre, et apprendre à respecter les hommes, ils sourient sans qu'on les agresse d'une autre manière ou qu'on les prenne pour des gens légers. Et puis, pour cette dernière image, quand une femme traite d'égal à égal, elle peut être traitée comme une ennemie, hein, et pas être vue comme juste quelqu'un qui traite d'égal à égal. Et pour conclure, pour découvrir son leadership féminin dans les bibliothèques, par différents comportements aussi, que nous autres, comme on dit, c'est l'ami aussi qui vous accompagne avec les livres, les enseignants et vos amis tout court. Savoir découvrir son leadership, dans quoi on est bon et cultiver cela. Gérer votre leadership à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut savoir aussi négocier avec son monde pour faire accepter l'exercice du leadership féminin. Hein, par exemple, des choses tout simples. Quand, par exemple, vous discutez avec un homme, on s'attend toujours à ce que ça soit la femme qui cède. Et quand elle ne cède pas, ce n'est pas très bien vu. Hein? Donc, peut-être qu'il faut peut-être par des subterfuges parfois, hein, comme nos mamans savaient très bien le faire. Il y a Fatou Diopsal, que j'ai interviewé pendant le mois de mars, nous expliquait comme ça comment est-ce que sa maman est une vraie femme leader. Elle n'a jamais fait l'école ou autre. Mais comment elle exerce, comme toutes les femmes sénégalaises, savent exercer un leadership. Une fois, elle fait partie de grandes familles maraboutiques et le grand marabout voulait absolument donner une seconde épouse à son frère. Et sa maman trouvait que cette épouse-là ne devait pas avoir une co-épouse. Et une fois, le marabout n'a même pas demandé la permission et allait donner une seconde épouse. Et sa maman était dans tous ses états. Bon, elle a utilisé son leadership féminin. Elle s'est levée, elle est allée tranquillement voir le marabout
Je lui disais, mais vous savez, les jeunes là, si vous les laissez, nous, on est vraiment une famille unie. Il n'y a jamais de problème entre nous et tout ça. Mais si vous les laissez, ils vont se disputer. Nous, on va prendre parti, l'autre va prendre parti et tout ça. Hein, avant que quelque chose se passe, on défait ça. Et tout ça. Et finalement, le marabout enlève et n'a même pas vu qu'on a remis en cause son autorité. Hein? Donc, tout ça, ça fait partie des formes de leadership. Négocier avec son monde et prendre sa place entière au monde. Et pour terminer, cette belle citation de Graham Greene, grande est la part d'avenir qui repose sur les rayons d'une bibliothèque. Et ces rayons sont numériques et sont aussi physiques. Profitez-en autant à l'université et quand vous serez ailleurs. C'est vraiment c'est à ça qu'il faut s'accrocher pour développer son leadership au féminin comme au masculin. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais devoir enlever le masque. Merci beaucoup, docteur Apsaga Samar, pour cette belle communication. J'allais dire cette très belle communication, parce que dans ta communication, tu disais qu'il n'y avait pas assez de solidarité entre femmes, et c'est vrai en fait. Donc je n'hésite pas à dire très belle, le superlatif, d'utiliser le superlatif justement pour magnifier ta communication. Et j'aimerais bien en fait que l'assistance remagnifie davantage la communication de Dr Apsaga Samar en l'applaudissant. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ce retard, mais je n'ai raté aucune miette de cette conférence grâce à la magie justement du numérique. Donc nous sommes à l'Université virtuelle du Sénégal et on répond bien, comme on dit, « de nu ouyos nu tour ». Donc vraiment merci beaucoup pour ça. Bonjour chères étudiantes, chers étudiants, chers invités, Madame la Présidente de l'Association des femmes diplômées des universités, de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités, chères participantes à cette grande conférence qui pour rien au monde, je ne me l'aurais pas fait raconter. Donc c'est un peu pour vous dire comment le français est subtil et difficile et justement comment en lisant on peut aussi arriver rapidement à dompter. Donc c'est cette écriture dont parlait tout à l'heure Dr Apsaga Samar, en prenant la métaphore ou en utilisant la métaphore de ce bébé qui était né avec un smartphone entre les mains et qui par la suite a découvert le livre et qui disait ah oui c'est vrai qu'avec le SMS, on dit « au calme ». Donc « au calme », ça s'écrit « A-U-C-A-L-M-E ». Et puis moi-même, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. « Au calme », c'est « O-K-L-M ». Donc pour les SMS. Donc vous voyez, il y a vraiment un monde. Donc pour me présenter, je suis Dr Nafissatou Diouf. Je suis enseignante-chercheure à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis la responsable de la filière communication digitale, aussi bien pour les licences que pour les masters. Et justement, ce retard est dû effectivement à une réunion d'urgence de notre cellule pour les étudiants, parce que aussi c'est ça notre vocation à l'UVS, aussi bien être sur le front de la recherche, mais aussi sur le front du quotidien. J'ai la redoutable, mission de modérer cette conférence avec d'éminentes dames autour de ces tables qui certainement à elles seules auraient pu à la fois faire leur communication et la modérer. Donc merci de m'avoir associé à cette conférence importante qui plus est parle de bibliothèque. Pour la petite histoire, ça va être une petite parenthèse. Je suis la présidente d'une association qui s'appelle Tengetutitank, donc à Rufisque, et nous avons le projet d'implanter une bibliothèque communautaire. Ça sera la première bibliothèque communautaire dans un quartier populaire qui s'appelle Koloban.
donc, parce que nos quartiers, j'allais dire nos communes, comme vous avez pu le constater, sont assez dépourvus en espace, vraiment de communion, mais aussi en espace de partage du savoir. Pourquoi je dis ça? Et ça me permet de fermer la parenthèse et de faire ce pourquoi on m'a invité ici aujourd'hui. Pour en revenir effectivement sur la communication du docteur Apsagasama, un mot d'abord sur la bibliothèque en tant qu'espace à la fois social et privé, à social parfois, j'y reviendrai, un lieu privilégié de rencontre, d'échange, un lieu parfois redouté, adulé, prohibé. Vous l'aurez compris, la bibliothèque nourrit des passions, mais aussi la bibliothèque, évidemment, renferme de nombreux secrets qui ne peuvent, heureusement, pas être percés sans pour autant, justement, entrer dans cet espace. Alors, pourquoi un espace social? Tout simplement parce que c'est un espace, c'est un lieu de rencontre et d'échange, je le dis à l'entame de mon propos. On y rencontre... parfois nos collègues, on y rencontre nos camarades si on est étudiant. J'ai bien aimé à l'entame du mot qu'elle disait pour le coordonnateur qu'elle représente en même temps ici. Docteur Apsagasama nous a un petit peu relaté ses premières expériences en tant que rat de bibliothèque. Parce que comme vous le savez, c'est vrai que je ne l'ai pas côtoyé hein, en tant qu'étudiante, mais je sais que c'était un rat de bibliothèque. Alors, être un rat de bibliothèque, c'est une image qui n'est pas péjorative. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, en fait, il est de notoriété, en tout cas dans l'ancien temps, les bibliothèques, c'était vraiment des lieux où, grouillaient, ou en tout cas qui pouvaient grouiller de rats. Parce que les rats aiment bien les endroits confinés et les endroits où il y a en général, donc en tout cas des choses stockées. Et les livres, pendant un certain nombre de temps, avant que la technologie et bien sûr la modernité ne viennent en aide, donc les bibliothèques, à l'époque, c'était des lieux où on compilait des livres, mais il manquait beaucoup de choses. Donc avec la modernité, avec pas mal de choses aujourd'hui, la technologie, nos bibliothèques sont moins infestées de rats. Donc dire que quelqu'un c'est un rat de bibliothèque, ça veut dire qu'il ou elle fréquentait, aimait fréquenter les bibliothèques. Parfois aussi un lieu privé, parce que parfois, la plupart du temps, justement, les rats de bibliothèque vont à la bibliothèque pour vraiment être avec eux-mêmes et se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur leurs études ou sur leurs passions, parce qu'aussi, la lecture est à la fois éducative et ludique. Un lieu privilégié de rencontre, je l'ai dit, un lieu redouté. Hein, combien de fois, certainement, vous vous êtes entendu dire « Allez, va à la bibliothèque !» au lieu de regarder la télévision ou tout simplement hein, si on a une bibliothèque chez soi ou même si vous avez la chance d'habiter dans un quartier ou d'habiter dans une commune où il y a des bibliothèques, on peut vous dire allez à la bibliothèque au lieu de flâner et donc ça peut ne pas être en tout cas quelque chose que l'on fait avec plaisir. Évidemment, ce n'est pas la bonne option et effectivement, ce n'est pas aussi l'option hein, de l'association des femmes diplômées des universités, puisque le modèle de bibliothèque, justement, que l'association propose, c'est un modèle qui à la fois associe la convivialité, qui à la fois aussi associe, justement, l'expérience heureuse, parce que, comme elles l'ont si bien dit pendant tout le long de cette conférence qui encore se déroule, le livre doit permettre davantage d'effacer les inégalités dans le genre parce que c'est aussi quelque chose malheureusement qui existe encore et nous ne pourrons pas la combattre aussi sans les hommes. Et je pense que la communication du docteur Apsagasama a porté effectivement sur cet alliage stratégique, pour ne pas dire cette alliance stratégique entre femmes, hommes, garçons, filles. À l'origine donc, il y avait l'homme et le livre. Pour paraphraser les premiers mots de la Bible. À l'origine, si nous considérons que notre cible a grandi avec le smartphone, tout à l'heure, Dr Apsagasama le disait à l'entame de son propos. Je paraphraserai aussi un autre sage, un écrivain
qui a marqué aussi son siècle, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, que d'ailleurs Dr Apsagasama a cité. Jean-Jacques Rousseau qui disait « L'homme n'est bon, donc l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. » Et il le disait dans un classique qui s'appelle « Émile ou de l'éducation ». Et le paraphrasant, je dirais que l'homme n'est bon, l'homme avec grand H évidemment, mais c'est le livre qui le complète ou qui complète son humanité, qui renforce aussi donc son humanisme et fait de lui un sage. Amadou Ampateba, un autre grand écrivain, disait lors d'une conférence en 1960 à l'UNESCO qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. Donc, il le disait évidemment en prônant la préservation et le partage des savoirs, partage qui devait immanquablement passer par la communication de ces mêmes savoirs. Donc, partage, transmission du savoir, tout ceci que prend en charge la bibliothèque, donc à travers les livres. Donc, je viens de faire une figure de style qui s'appelle la métonymie. En parlant des livres, je dis la bibliothèque, parce que aussi, dans une bibliothèque, il y a des livres. Partager le savoir, c'est aussi raconter son expérience du livre, le premier contact, les premières expériences, comme l'a fait tout à l'heure Dr Apsagasama, et son expérience aussi livresque, c'est-à-dire comment le livre est arrivé à nous transformer, à nous permettre d'avoir une certaine ouverture dans le monde, mais aussi tout simplement à nous permettre d'affirmer, d'affiner notre leadership. Et c'est l'articulation intelligente qu'a faite tout à l'heure Dr Apsagasama, le livre et le leadership. Le lien, eh bien, ce lien a pour nom, plusieurs noms, autonomie, affirmation de soi, qui doit à la fois être porté par la réussite pédagogique, mais aussi, évidemment, la représentativité. Tout à l'heure aussi, elle le disait, c'est bien d'être fille, de bien travailler à l'école, d'avoir son baccalauréat, de venir à l'université, mais j'allais même dire, pour ne pas vous faire peur, je ne veux pas vous faire peur, mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'affirmer, d'avoir de bonnes notes, il faut aussi vivre intelligemment dans cette société, et vivre intelligemment, c'est s'affirmer. L'affirmation de soi, qui ne veut pas dire arrogance, tout à l'heure la conférencière l'a dit, qui ne veut pas dire, en tout cas, venir chasser sur les terres des autres pour reprendre le vocabulaire de la chasse. Et ce vocabulaire de la chasse que je convoque dans mon propos n'est pas fortuit. Pourquoi ? Tout simplement parce que la chasse aussi, comme vous le savez, c'est un sport qui aussi charrie des valeurs, qui ont pour nom leadership, même si par ailleurs dans la chasse, et ça j'aimerais bien faire communiquer ou faire communier les étudiants qui sont en face de moi, quel est l'animal indispensable à la chasse? Quel est l'animal indispensable à la chasse? Qui peut me répondre ici? Quel animal est indispensable pour faire, voilà, pour pratiquer le sport qu'est la chasse? Oui? Effectivement, c'est le chien. Et justement, le chien dont on dit qu'il est le plus fidèle ami, qu'il est le plus fidèle compagnon de l'homme, le chien aussi, certainement, on pourrait faire toute une conférence sur cet animal. Et pour revenir à mon propos, donc la chasse charrie aussi les valeurs de leadership. Et revenons justement sur les instances de prise de décision. Évidemment, le tout dans la courtoisie, la fermeté. Et la fermeté, tout à l'heure, Dr Apsagasama disait qu'il fallait aussi que nous autres femmes, aux côtés de vous, chers hommes, soyons beaucoup moins victimes de ce qu'on appelle le paternalisme. Qui peut, en tout cas, c'est mon propos et surtout c'est mon sentiment, le paternalisme, c'est presque atavique à l'homme, parce que dans paternalisme, il y a pater. Donc pater, en latin, c'est père. Un homme, par essence, c'est aux côtés de la femme, celui qui conçoit l'enfant. Et donc, cette fonction, justement, de conception, certainement alliée à toute une éducation, à toute une culture aussi,
cette fonction-là, parfois, peut être amenée, en tout cas, à faire valoir beaucoup de confusion dans les relations interhumaines, hein, entre hommes. Et ça aussi, je pense que c'est une éducation à la fois que nous autres femmes qui portons aussi les enfants devons aussi avoir à l'endroit de nos fils, à l'endroit de nos garçons. Pour terminer, j'allais tout simplement dire que cette conférence sur la bibliothèque, dont le thème vient à point nommé la lecture ma lumière pour la promotion de la culture du numérique et le développement du leadership féminin. Pour terminer, je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même une chance d'avoir ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Elles sont une chance dans le sens où elles constituent un prolongement de la bibliothèque physique, j'allais dire. Mais évidemment, ne pourront jamais remplacer justement cette fonction initiale dont je viens de parler en abordant toute l'émotion qu'on pouvait avoir en entrant, en franchissant le seuil d'une bibliothèque. Et pour terminer, je reprendrai le propos de Francis Ball, qui dans Médias et Sociétés, justement, disait que aussi bien la télévision, la radio que la presse écrite, mais ne disparaîtraient jamais de leur belle mort, comme d'ailleurs hein, certains communicants l'avaient prédit il y a de cela 40 ans. Non, ces médias-là ne disparaîtront pas. Par contre, il faudra de plus en plus prendre en compte les plateformes, j'allais dire les médias sociaux, que sont Facebook, Twitter, Instagram, comme des alliés sûrs pour que ces médias, évidemment, puissent jouer pleinement leur partition dans le développement. Et c'est cela aussi qui est attendu de la bibliothèque, que bientôt l'Association des femmes sénégalaises diplômées des universités va implémenter ou implanter ici même à l'Université virtuelle du Sénégal. Merci beaucoup. Voilà. Donc, sans plus tarder, alors nous allons donner la parole. J'avais tout à l'heure devant moi, voilà, le chronogramme. Nous allons à présent, après la conférence du docteur Absa Gassama, nous allons donner la parole à Madame Mariam Diop. C'est ça? Non? Ah, oui, parce qu'il y a eu quelques... Oui, voilà, exactement. Donc maintenant, ce sont les discussions maintenant qui sont ouvertes. Donc, chère assistance, déjà, merci de votre présence. Donc, est-ce que vous pouvez vous signaler pour peut-être un premier passage pour ceux qui voudront soit apporter enrichir la conférence ou poser des questions. Vous êtes les bienvenus. Merci de vous signaler juste en levant la main. Oui, monsieur, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme El Hadji Abdelaziz Ndiaye, étudiant en licence sciences juridiques à l'Université virtuelle du Sénégal et écrivain en mes temps libres. Donc, je vais faire une brève intervention sur la lecture, ma lumière. La lecture, vous avez bien fait et même excellemment fait de l'associer au leadership féminin, d'où l'article là, qui veut dire donc aux femmes, veillez, cultiver l'esprit. Comme disait Albert Einstein, il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la stupidité. Et la stupidité, moi je veux dire que c'est limité du moment où qu'on s'exerce à quelque chose. J'ai eu la chance ou bien la malchance d'être éduqué par des femmes. Parce que j'ai eu la chance ou la malchance de ne voir que par an, deux mois par an, mon père. Et le reste, c'est avec mes grandes sœurs et ma mère, qui même m'initiaient à la lecture
et plus tard, j'ai été influencé par une écrivaine. Donc, de tout mon parcours, il y a toujours le leadership féminin qui m'a trop boosté. Maintenant, ce n'est pas peut-être trop atténué par les hommes. Parce que les hommes, voilà, ne sont qu'une minorité de 20 à 25%. Donc, nous sommes en voie de disparition. D'où la nécessité qu'ont les hommes de s'unir pour ne pas disparaître. Maintenant, si la minorité essaie de s'unir, donc la majorité a l'obligation de s'unir et de montrer aux autres que nous sommes là, de par leurs pensées, de par leurs actes et de par toute autre chose. Car l'univers n'est pas seulement cuisine. Ce n'est pas aussi tout à fait la route. Mais c'est l'élégance, l'éloquence, la pertinence, comme on dit chez nous les juristes. Et c'est ça qui fait le bonheur d'avoir une bibliothèque. Et moi, je préfère des bibliothèques qu'à ça. Donc, si on a la chance d'être invité à cette conférence exclusivement, pas du tout féminin pour aujourd'hui, Dr. Absa Gasso, maintenant, là que, qui sera là pour, dans le cadre des partenariats entre l'UVS et la SFDU, j'espère bien prononcer le sigle. J'espère que ça va continuer. Et même, j'aurais bien aimé que ce ne soit pas des bibliothèques numériques seulement, mais là où il y a un nano, j'espère qu'il y aura un des bibliothèques de la SFDU à côté de cela pour l'accompagner. J'ai été un peu prolixe, vous m'en excusez un peu. Bonjour tout le monde, bonjour chère association, chers membres de l'association sénégalaise. Ok, chers membres de l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités, chers étudiants et chers invités. Avant tout, je vais me présenter. C'est Djebania, étudiante en licence 3, sociologie, présidente du BNO de Saint-Louis, en même temps présidente de la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. C'est un immense plaisir pour moi d'être là, comme on est invité, pour prendre part de cette conférence. J'ai bien aimé le discours de Dr. Absa Gassama, qui est l'une de mes idoles, ma référence. Et je vous dis aussi aujourd'hui, haut et fort, elle m'a donné du courage à entrer dans la danse, être au devant de la scène aujourd'hui, pour être présidente du BNO et à la fois présidente de la FENEV. Donc, sous le mérite, vous la revienne parce qu'elle est brave. Au sein de l'UVS, je fige mes yeux envers elle parce que je pense qu'elle est. Nous n'avons pas de lien parenté, mais elle est tout pour moi parce que, hormis ses conseils, ce qu'elle donne à moi, mais quand même, il y a des choses que je ne peux pas parler. Mais quand même, j'ai aimé son discours. En disant, les femmes et les filles, il faudra prendre des fonctions au sein des clubs et des associations. Parce qu'aujourd'hui, cette association ne regroupe que des femmes. Certes, nous faisons peut-être 70% de la population sénégalaise. Pourquoi pas? Nous, femmes, on est étudiées parce qu'à l'école ou bien au baccalauréat, il n'y a pas de bac femme ni bac homme. On fait les mêmes épreuves. Il n'y a pas d'homme ni femme.
Donc nous aussi, si nous avons l'opportunité d'obtenir notre baccalauréat qui est si dur, on est appelé à affronter d'autres choses. Donc prendre part dans des associations, peut-être devenir même, pourquoi pas au Sénégal, ces associations. La présidente du Sénégal va sortir de cette association-là. Je l'espère bien. Parce que je vois des femmes dévouées, engagées et déterminées qui sont là. Parce que voir ces femmes-là qui ont obtenu leur bac, peut-être il y a quelques années de cela, dont nous-mêmes, on n'était pas à l'école, qui se réunissent aujourd'hui pour nous imposer ou bien nous implanter en bibliothèque. Ça, c'est un... C'est une bonne chose. Et nous vous demandons, chère présidente, d'avoir décentralisé ces bibliothèques-là. On en a besoin. Sur le plan, si vous le faites du côté numérique, nous sommes preneurs parce que nous évoluons dans ce domaine-là. Qui dit l'Université virtuelle du Sénégal dit dans le domaine numérique. Donc nous allons prendre, comme l'a si bien dit mon ami, mon frère Abdou Aziz Ndiaye, aussi faire des bibliothèques en physique. Parce que aussi, ce n'est pas tout le temps, dans des endroits un peu reculés comme Podor, je peux prendre l'exemple de Podor, les réseaux est un peu difficile. Donc, avoir des bibliothèques format physique, ce serait un mieux pour nous. Mais sachez que, franchement, je suis ravie d'être là aujourd'hui, prendre part de cette conférence. J'aurais aimé que toute la salle est remplie de filles et femmes. Mais ainsi va la vie. Peut-être que les gens sont trop occupés pour ne pas aussi monopoliser la parole. Je vais m'en arrêter là et vous remercier. Voilà, cher. Bonjour, chers membres d'association sénégalaise des femmes diplômées des universités, Madame Gassama, Madame Nafissatou, ainsi que chers étudiants, bonjour. Je m'appelle Yamari Diop. Je suis étudiante en DIL droit informatique Legal Tech. Voilà, je suis. De l'Eno de Kermassar. Nous sommes très honorés d'avoir été invités à cette importante conférence qui parle de la lecture en lumière, qui est une bibliothèque qui est dédiée aux femmes. Je m'en vais remercier vraiment notre chère et vaillante professeure Absa Gassama. Voilà, qui est une femme très engagée, qui est une battante. À chaque fois, il nous invite, il nous, voilà, donne des conseils, comme l'a dit à la présidente de la FENOV, que je remercie au passage. C'est vraiment, c'est avec plaisir que nous vous accueillons cette année-ci en tant que femme qui est en tête de la FENOV et aussi présidente du BENO. Donc, félicitations, madame. Voilà, je suis accompagnée de mes collègues qui sont des présidentes aussi du BENO de Kermassar. Moi, je suis cette année-ci la présidente de la commission sportive et culturelle du BENO de Kermassar. Voilà. Pour vous dire que nous, les femmes, nous sommes vraiment à l'abri de bien vouloir se montrer, montrer notre leadership féminin, de faire le tout possible, puisque les hommes ne nous donnent pas cette possibilité, cette chance d'être à la hauteur, voilà, de diriger, etc. Mais quand même avec
Professeur Gassement, je pense que ça ira parce qu'à chaque fois, elle est derrière nous. Elle nous encourage, voilà, elle nous entoure, elle nous dit que c'est comme ça. Excusez-moi, parce que je viens d'arriver, je n'ai pas encore pris voilà, la liste de bien lire, de comprendre, mais sachez que nous sommes très honorés et nous serons là à vous écouter et à travailler avec vous. Merci beaucoup. Exactement. Bonjour à tous. Bon, j'ai pris la parole pour lancer quelques mots de remerciement envers notre cher docteur Madame Gassama ainsi que la responsable de notre filière Nafissatou, Madame Nafissatou. Je m'appelle Bintou Fifi Cissé. Je suis en licence 2 en communication digitale. L'actuelle chargée de la communication du Bénin de Cœur Massard. Merci. Comme je l'ai dit, c'est juste des mots de remerciement. Nous sommes vraiment heureuses d'être là aujourd'hui, entourées de femmes, de jeunes filles, très ambitieuses et, mashallah, qui aiment tous la lecture comme nous. Et je tiens aussi à nous excuser par rapport à notre retard. On a pris beaucoup de retard et c'est dû au trafic, cause pour laquelle. Mais franchement, je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres prises de parole certainement. Malheureusement, qui ne pourront pas éclore parce que je voulais faire une boutade. Je sais qu'on est un peu pris par le temps. Alors, et je vais le dire en lof. Loboko bulhar ken bolelati. Ça, c'est extrêmement important. Et c'était juste pour dire que finalement, les femmes, hein, on l'a vu avec notre écrivain, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, elles sont modèles, muses, compagnes, sœurs, épouses, parce que tout à l'heure, il a donné le modèle de sa maman. Nous sommes aussi dans la sororité avec la présidente des Bénos, n'est-ce pas, c'est ça? Et puis aussi les présidents de Bénos, la solidarité, l'humanité, l'engagement, la prise de parole, tout ça, eh bien, on peut résumer ça en femme ou en jeune fille. Donc, nous allons dans quelques minutes boucler cette conférence avec Madame la représentante du ministre de l'économie numérique et de la communication qui est en ligne et qui est là au nom du ministre de l'économie numérique. Mais avant cela, nous allons donner la parole à Madame la présidente de l'Association des femmes diplômées des universités. Avant cela, à Dr Rapsa Gassama, la conférencière du jour. Merci beaucoup, chère Nafi, pour cette brillante modération, qui est plus qu'une modération. Ah, elle a fait aussi une conférence. Hein. On était toutouilles, c'était très intéressant parce qu'elle vous a... Elle n'a pas dit qu'elle était écrivain aussi. Voilà. Donc, femme de lettres, docteur en lettres modernes, vous avez senti quand elle parlait. Hein, elle utilisait des termes tellement savants. Voilà. Donc, merci beaucoup vraiment d'avoir participé, d'avoir bien voulu modérer cette conférence. Voilà, on est ensemble les femmes, on est ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, juste pour répondre rapidement à quelques questions parce qu'on a débordé sur le temps. D'abord, je commence par préciser que les femmes ne font pas 70, ne font pas 75% de la population. Elles font moins de 51% de la population. Donc, ces arguments qu'on dit qu'il faut que les hommes aient plusieurs femmes pour que toutes les femmes soient casées, c'est un argument, voilà,
voilà, c'est fallacieux, comme disait ma collègue, docteur Nafi. Hein, même, il y a même un film actuellement qui fait le plaidoyer, actuellement qui est sorti, une série. Voilà, je ne veux même pas le nommer pour ne pas faire de publicité, ah, parce oui, que oui. Voilà. Donc voilà, quiconque s'est compté, c'est que moins de 51%, il ne faut pas deux femmes pour un homme pour que toutes les femmes soient mariées. Ça, c'est vraiment l'arithmétique en CI, on le sait déjà, d'accord? Maintenant, il y en a, on est dans une culture où cela existe et que, voilà, il y a des gens qui l'acceptent volontiers et donc, voilà, ça fait partie de notre culture. Hein. Donc, il faut juste remettre ça et même juste, parce que peut-être moi, je suis un peu plus sensible à la question, dire que si même il y a des actuellement, on voit beaucoup de recrudescence de viols ou autres, le malheur des hommes qui ne trouvent pas d'épouse, c'est peut-être même que les hommes riches et bien nantis prennent toutes les femmes. On peut plutôt dire cela, d'accord? Donc, chère, elle l'a dit, ne vous inquiétez pas, on n'en est pas encore au moment où les hommes doivent s'associer pour faire face aux femmes. Si vous voyez que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller motiver ces jeunes femmes, c'est parce qu'il y avait un déséquilibre, et vous serez d'accord avec moi, vous savez compter. On était à l'époque à 13 espaces numériques ouverts, et il y avait zéro femme présidente de Beno, alors que la moitié des étudiants de l'UVS sont des étudiantes. C'était normal qu'elles prennent leur place, elles n'osaient pas. J'ai fait des enquêtes, les étudiants m'ont aidé à les faire passer pour comprendre. Des entretiens, c'est pour ça que j'ai donné même un exemple tout à l'heure d'une étudiante que les garçons ont approché pour dire pourquoi vous vous présentez. Hein? Vous, je vous félicite. Vous avez fait preuve de masculinité positive et de leadership. Vous êtes assis côte à côte, vous êtes venus tous les deux de Saint-Louis, hein? Djeba et Eladji étaient en concurrence pour le Beno. Hein, et il a accepté volontiers que sa collègue ait gagné. C'est ça qu'on appelle la masculinité positive. Ne commençons pas à développer ce qu'on appelle masculiniste pour être le pendant de féministe, parce que si on soutient les femmes actuellement, c'est parce qu'il y a encore vraiment une domination masculine. Même l'association des femmes diplômées, si elle existe, c'est parce qu'il n'y a que des femmes qui mariées sortent de l'école. Et l'un de leurs buts aussi, c'est de se battre pour que les femmes restent à l'école malgré un mariage, malgré... Et l'UVS, ma foi, joue un rôle important dans ça. Hein, parce que grâce au numérique, la fille peut rester chez elle, s'organiser et suivre ses cours à distance et tout ça. Hein. Donc, c'est juste pour ça que le féminisme est là. Le jour où on va atteindre, pouvoir aller plus facilement, avoir aux mêmes endroits que les hommes partout, bah, peut-être que ça n'existera même plus. Ça va s'éteindre tout seul. Hein. Ne nous montrons pas dans un truc de face à face. Je voulais juste faire ces petits rappels qu'on est à moins de 51% de femmes et enlever tout ce qu'on raconte autour de ça. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, merci. Madame la modératrice, si vous le permettez, peut-être que nous allons donner la parole à Madame Ndaïssine Diop, la coordinatrice de la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur. Et je ne sais pas si elle m'entend, je ne pense pas. Madame Ndaïssine Diop. Madame Dessigno, Madame Dessigno, vous êtes toujours en ligne? Parce que la représentante du ministère de l'économie numérique et de la communication a dû nous quitter parce qu'elle a été contrainte. Elle a été obligée. Elle est là. Allô, Ndaïssine? Peut-être qu'elle ne peut pas parler. Oui, madame la présidente. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui.
Madame la Présidente, elle peut. Allons-y, s'il. Oui, Madame la Présidente. En attendant, si elle est là, elle va réagir. En attendant sa réaction. En tout cas, j'aimerais réitérer les remerciements de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités à l'endroit de l'Université virtuelle du Sénégal. Mais nous voudrions faire une mention spéciale à la conférencière. S'il vous plaît, applaudissez encore. Nous avons été très honorés et nous avons eu droit à une très belle communication, une communication très dense. Je n'ai pas d'autre mot pour m'exprimer, sinon je les aurais utilisés. Aussi bien la communication que la modération. En tout cas, nous avons été gâtés. Nous avons été doublement gâtés du côté du corps professoral, mais du côté de la représentation des étudiants et des étudiantes aussi. Parce que là, le public qui est devant nous est composé d'étudiants et d'étudiantes leaders. En tout cas, merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Je pense que ce sera bénéfique. Et pour la bibliothèque, ce sera une bibliothèque physique qui sera implantée ici, que nous allons déménager ici même à l'aino de Mermoz. Hein. Mais ce sera après la signature d'une convention avec l'université. Merci beaucoup en tout cas. Si non, les représentants des ministères ne sont pas là, peut-être que vous allez, docteur Absagassama, si vous le voulez bien, peut-être clôturer au nom du coordonnateur de l'UVS. Oui. Bon, il y a la vice-présidente qui voulait ajouter quelque chose. Madame la vice-présidente, je vous demande d'être brève, s'il vous plaît, parce que nous avons débordé et nos participants commencent à nous quitter. Je suis au regret de ne pas avoir donné la parole aux autres membres de l'AFDU qui sont avec nous. La secrétaire générale est là. Il y a les membres du bureau aussi qui sont là et qui sont de l'équipe exécutive. J'aurais dû leur donner la parole, mais pour des questions de temps, je n'ai pas pu le faire. Je vous demande d'être brève, s'il vous plaît. Merci beaucoup et toutes mes félicitations aux brillantes conférencières. Hein. Vraiment, on a été gâtés et soyez-en remerciés. Je voulais juste ajouter une petite contribution sur le chiffre de 51% que la conférencière a évoqué effectivement sur la participation des femmes. En fait, généralement, quand on lance ce débat statistique, c'est parce qu'on fait une confusion. On intègre dans l'analyse les femmes et les jeunes. C'est pour ça que souvent on parle de 70%. C'était juste pour apporter cet éclairage. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette précision. Moi aussi, juste un petit dernier mot. J'ai oublié de répondre à la préoccupation de nos jeunes collègues qui demandent la décentralisation des bibliothèques. C'est dans nos projets. Vous savez, cette première bibliothèque, le siège, existe déjà. Il suffit juste de l'aménager ici. Pour les autres, il faut des financements. Là, c'est un rayonnage de 1000 livres. Pour le reste, il y a l'ambition d'aller à 10 000, voire plus. Une bibliothèque dans chaque espace numérique ouvert, c'est ça le but qui est visé. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, chère présidente et chère vice-présidente et toute l'équipe de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités pour votre présence aujourd'hui dans nos locaux, de nous avoir permis de tenir cette conférence, d'échanger autour de ce thème très important qui est la lecture. Si nous voulons éveiller et éduquer nos propres jeunes, c'était le lieu approprié. Comme vous savez, l'Université virtuelle du Sénégal commence à être une université de masse, la deuxième derrière l'UCAD. Et donc, voilà, si nous voulons atteindre les personnes et en physique et en numérique, si on vit encore une situation de pandémie, donc on limite toujours le nombre de personnes en physique. Donc voilà,
Nous vous remercions vraiment encore. C'était un plaisir de partager. Développer leur leadership, leur culture générale, leur savoir pour le développement de notre pays. Donc, au nom du coordonnateur de l'université, nous remercions aussi tous les participants en ligne, la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur qui était celle qui dirige la cellule genre du MESRI et le ministère de la communication digitale, ça. Donc, nous remercions tous ceux qui ont participé avec nous à distance. Et au nom du coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, encore une fois même, je remercie aussi notre chère modératrice, Dr Nafissatou Diouf, et tout le monde. Et au nom du coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal et du directeur des études de la recherche et de l'innovation, Dr Abdoul Al-Fadia, nous déclarons clos cette conférence. Merci beaucoup. Thank you.